matin-là, quand je l'ai vu pour la première fois, je savais très bien que cette fois ce n'était pas n'importe quoi, que j'allais connaître enfin quelque chose de différent de ce que je connaissais déjà. Et si son regard m'a frappé, si tout d'un coup je suis troublé, oui, 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 ça y est, c'est terminé, je suis touché, coulé. Après avoir bringué toute la nuit bien fracassé, je vois le soleil se lever devant moi bien fatigué. Mes jambes ne peuvent plus me tenir, il va quand même falloir réagir. Tout à coup, qu'est-ce que je vois? Je ne savais même pas qu'elle était déjà là. Aïe, 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 aïe. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne veux pas danser? La journée ne fait que commencer. Et pourquoi ne pas faire quelque part avec toi? Et encore une fois, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne veux pas danser? La journée ne fait que commencer. Elle m'avait donné des ailes. J'étais comme une hirondelle tournoyant dans le ciel. La chaleur de sa peau m'affaiblit. Tout s'embrouille et puis s'en mêle dans mon esprit. Est-ce que c'est un ange venu tout droit du ciel, ou j'ai bien trop abusé sur l'hydromel? Cette idée me poursuit. Je suffoque à l'idée qu'elle pourrait s'en aller. Ses premiers instants magiques étaient pour moi bien cadencés. Ces mots doux qu'elle me disait m'avaient complètement renversé. La musique qui ne veut plus s'arrêter, l'ambiance qui continue à chauffer. Mais quand arrive l'instant, ce fameux moment, là où tous les gens se disent bye bye et bon vent, c'est là que j'ai dit non. Elle était trop canon. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne veux pas danser? Ne fait que commencer. Et pourquoi ne pas faire quelque part avec toi? Et encore une fois, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne veux pas danser? La journée ne fait que commencer.